Yeah, yo, quoi de neuf, la famille, c'est DJ Daddy qui est en live de Tomorrowland. Aujourd'hui, il fait dégueulasse à Tomorrowland. Dégueulasse. Mais après, tu sais, il n'y a pas d'étonnement, c'est la Belgique, hein. C'est pas grave, même pas peur, la pluie, même pas peur. Et quand c'est comme ça, t'as genre un truc qui fait en sorte que les gens oublient la pluie? Dès que les gens rentrent dans la folie, dans le set, ils oublient qu'il pleut, ils sont dedans et je pense que ça va le faire. Bon alors Denis, si je retire ça, ta mise en pli se défait totalement. Il drache, tu as un challenge. Mettre le feu à tout branler. Challenge relevé. C'est quoi la différence entre Tomorrowland et tous les autres festivals? Tomorrowland, c'est l'endroit où le monde entier vient voir les DJ du monde entier, donc c'est une vraie fierté de pouvoir y être. Après, moi, je te cache pas que je fais aucune différence entre les petits festivals et les gros festivals. Moi, du moment qu'il y a des gens, qu'on s'amuse, qu'on fait la fête, c'est partout pareil, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur à manger dans le catering des artistes par rapport au festival? Ah non, il n'y a rien de meilleur, c'est juste que c'est gratuit pour nous, c'est tout. Tu peux le dire combien t'es payé pour venir ici? On mange gratuit, c'est déjà pas mal, non? Putain! Et justement, ce travail, il te demande combien de temps de préparation? Genre, le set que tu vas faire aujourd'hui, tu vas l'improviser ou alors c'est un truc que t'as déjà enregistré depuis 4 heures? Bah écoute, en fait, c'est un condensé de ce que je fais en général dans mes shows, dans les festivals, un petit peu partout. Ici, j'ai adapté certains passages spécialement pour Tomorrowland parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont là aussi. Il y a quelques petites surprises, il y aura des exclusivités. Je prépare quand même un petit truc pour Tomorrowland parce que c'est quand même Tomorrowland.